C'est parti. Oui, nous allons faire un 0 à 100. S'il y a un sens là, le sens où on vient de le faire, ça monte un chouïa. Donc ça nous permettra de comparer si on est en mode sport. Après, on va passer en mode confort pour descendre. Il y a le mode éco, tiens, j'avais pas essayé, là il y a différents modes. Bon, allez. On va pas démarrer sur du caca, mais je pense que c'est une propulsion. On met en mode sport, c'est mode sport. Et puis on est à zéro. Prêt, 3, 2, 1, parti. En mode éco. Je sais pas si ça change quelque chose. Bye bye. Donc on est le soir et une source sûre vient. Donc on est en train de charger l'auto 65%. Elle sera chargée dans 24 heures, mais comme on prend l'avion, elle ne sera jamais chargée en fait. Mais c'est pas très grave. Donc plusieurs choses sont prévues. Je sais pas si on verra. Je pense qu'on voit rien. Mais du coup, une source vient de m'informer qu'une Alpine allait arriver. Donc je vais partir en balade. Oh, j'ai tellement bien nettoyé les coffres de la 4L, je suis tellement fier. Voilà, elle a intégré ses quartiers. Et puis on va voir si ma source est viable, fiable, ou si ma source est fausse. Donc en théorie, une Alpine va arriver. Et puis je suis arrivé. Il y en a un qui a changé ses disques de frein. Bon. Qui sont attachées encore pour pas que les cochons, donc elles sont attachées. Attention, voilà. Bon, bah, l'information était bonne, j'ai même pas eu besoin d'aller très loin. On peut faire demi-tour. Je sais pas ce que ça va donner, mais voilà. Bon allez, on quitte le village. On va aller courir. 8h du mat, on va là-haut là. On va faire les crêtes. Sur la montagne en haut là. La plus haute. Elle est pas très haute, hein. C'est du 1200-1250 mètres. De mes nerfs. Donc là on roule doucement. Vous allez voir, il y a un superbe camion de Sagienne. J'adore ces camions. C'est magnifique. SG3. Ce qui est marrant, c'est qu'il sert toujours. Il doit avoir 40 balais, ça facile. Et ça sert tranquillement. Super agréable. Cet après-midi, il y a un match Ajaccio, c'est pour ça que je rechargeais la voiture. Ajaccio Saint-Étienne. Et donc on va avancer tranquillou. Allez, on grimpe, on se retrouve en haut. On a le soleil dans la vue. Je vais vous faire écouter le klaxon. Je vais réussir à le réparer.
Et eux, ils croient qu'ils vont bouffer, mais ils vont rien bouffer du tout. Donc, il va falloir dégager de là. Je sais pas où je me gare. Oh là, putain, j'ai la famille complète. Casse-couille. Non, mais les gars, je suis pas là pour vous donner à bouffer. Donc, oh là, ça me saoule. Mais ça me saoule direct. Voilà, ils sont où? Ils sont là. 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 Non, vous n'allez pas manger, donc vous oubliez. On dégage. Non, c'est con, Sébastien. Putain. Que c'est con. Que c'est con. Bref. Non mais allez vous battre ailleurs, sans déconner, vous n'allez pas abîmer ma voiture. Ouais, bon, je vais peut-être aller me garer ailleurs. Ouais, ça y est, ils se barrent. Ils ont compris qu'ils vont pas bouffer avec moi. Enfin, j'espère. Allez, on bouge. Oh, qui font chier. Bon. Alors, petit du. Donc là, on a Olen au bout du doigt. Au bout du doigt, on a Zerube. Zonze. Alors, ça, c'est Couture-Poule. Là, on a Zonze juste là au bout du doigt. Là, on a les aiguilles de Bavel. Alors, je ne sais pas si on voit quelque chose ici. Non, ici. C'est mieux si on tend le doigt, en fait. Ouais, j'ai pas l'habitude de faire ça. Mais si on tend le doigt, on a les aiguilles de Bavel. Après, on a l'Incudine qui est juste là. Sistaya. Le Rotondo est là-bas. Pardon. Le Rhinos. Rotondo. Et puis là-bas, on a un Paglia Orbe. De toute façon, je pense qu'on verra rien à la caméra. C'était l'histoire. Nous, on est arrivé de là-bas. Le chemin est là. On a Poggio Grosse. La voiture est garée dans le trou là-bas. On voit une route. Là, je ne sais pas si vous voyez la route comme ça là. Donc elle est garée juste là dans le creux. Et là moi je vois très bien, mais alors, je vois pas sur la caméra Paglia Orb là. Et puis ensuite un peu plus loin on a un pic Punta Minuta, Capularga. Et puis on voit le Chint qui est juste au-dessus de cette pointe là. Au-dessus de cette pointe il y a le Chint. Donc après Rotonde, Monte d'Oro, c'est juste la pointe qui est ici. Et Reynoso, je pense. Pour le coup, je vois que ça. Et là, si on suit la crête, là-bas, la pointe là, je miserai sur Formicole. La fourmi. Et Col de Verde, il doit être dans le trou là. Mais pff, bref. Ma géographie corse a ses limites. Je sais pas si on voit les sanguinaires. On voit tout ici quoi. Bref, c'est pour ça que j'aime bien le monde, hein. On voit même la Sardaigne. Donc on a l'Umo di Cagne là. Et derrière, là-bas, là. Une espèce de vague, je ne sais pas si on les verra. C'est la Sardaigne. Ouais. Ouais. On voit l'héliport d'Olen en trou là. Plutôt joli. Bon, du coup voilà, c'est voiture land. Bon, à bientôt. Et cet après-midi on va voir un match à Ajaccio qui est juste derrière là-bas. C'est chouette, hein. Bon. Et hier on était là-haut San Petro 1400 et là on est quasiment à 1400, hein, même hauteur, ça me paraît bizarre d'ailleurs. Je crois que c'est 1360 ou un truc comme ça. Bon, il est 11h30. El Famoso au parking du Col Avatch. Encombré de voitures. Je sais pas si vous voyez la petite là qui est là. Là il y a le chemin, là il y a un chemin. La piste au-dessus, il y a le chemin et là il y a une 4L. Bon.
Quand je laisse comme ça, évidemment, ça fait tellement bien que je prends le câble de démarrage, le câble de la bobine d'allumage. Voilà. Et tout ça pour dire que c'est quand même de la sacrée bagnole, juste la voir me fait plaisir. Donc aujourd'hui, on a fait 10 km comme ça en montagne. Peinard. J'ai fait 10 bornes en 1h45 là. 1h45 de promenade. C'est plutôt tout léger. 10 km quand même. En montagne, c'est raisonnable, mais quasiment jamais couru. Et je profite. Je profite. Les routes sont faites pour les cyclistes. Voilà. Cette jolie prise de vue. Hop. Ouais, alors j'ai fait un gros nettoyage. J'ai aussi réglé les sièges. On peut les reculer, mais tellement facilement que c'en est presque indécent. Ouais. Hop. Ouais, on peut les reculer directement à la main comme ça. Ça, c'est des cochons qui viennent s'essuyer comme des putains, comme des porcs, je vais dire. Alors je me crache dans la main, mais je me lèche pas le dos. Hein. M'énerve. Et là. Voilà. Hop. Bon, j'ai mis l'anti-rouille sur certains points parce que l'idée c'est quand même de finir par la repeindre. C'est quand même la volonté globale.
peinture. Peinture intégrale, y compris les jantes. Pour la rendre trop choupette, bon, j'enlève ça parce que je vais rouler dessus. Et on y va parce que moi j'ai un. On déconne, mais j'ai un match de foot quoi. Je suis pas un petit joueur. Bon, vous avez remarqué quand même, toujours pas de bagnole. Ça fait 10 minutes qu'on filme, 10 minutes tout rond qu'on filme. Zéro voiture. Et je suis monté, j'ai croisé aucune voiture. Je pense que je vais descendre, j'ai croisé aucune voiture. Et puis voilà. Tout va bien.